Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. C'est aujourd'hui le dimanche 3 mars 2024. Il est 17h et j'ouvre la 9e vidéoconférence de la série Les Galactiques 2024. Le thème de ce soir est l'implantation des proto-humains sur Terre et leurs relations avec les étortants. Les informations que je partage, comme vous le savez dorénavant, au fil des visioconférences, sont de sources purement extraterrestres. Elles sont radicalement différentes des informations officielles, au point que beaucoup considèrent qu'il s'agit de science-fiction. Mais sachez qu'elles m'ont été confiées en l'état et enregistrées, noir sur blanc, par écrit et en audio, notamment avec Zen, mon contact principal, dans une série de travaux que nous avons commencé ensemble depuis 2016. Je lui ai demandé de m'informer sur les conseils qui siègent au sein de la Fédération Galactique, ce qu'il fit avec beaucoup de plaisir. Pour développer la thématique du jour sur les étortants et les proto-humains, je vais vous rapporter deux conversations que j'ai eues avec Zen. La première conversation a duré 2 heures et demie. Elle a eu lieu le mardi 31 janvier 2017. Elle a commencé à 18h01 minute et 46 secondes et s'est terminée à 20h27 minutes et 52 secondes. Et la seconde conversation a duré 2 heures et 7 minutes. Elle a eu lieu le vendredi 3 février 2017 de 22h01 minute et 35 secondes à 8 minutes passées minuit et 26 secondes. Donc, en tout, rien que cette présentation aujourd'hui, et c'est une toute petite partie, sur les étortants représente au minimum 4h37 de travail, sans compter évidemment les traductions, l'édition des textes, la création des vidéos et puis mes présentations. Ces données sont précises parce que, comme je l'ai dit, j'ai enregistré toutes mes conversations avec Zen. Il est donc facile de m'y reporter. Les étortants sont de la lignée des gris. Il existe de très nombreux types de gris. La lignée des grands gris, qui est différente de la lignée des petits gris, il y en a, rien que pour les petits gris, 165 lignées. Les grands gris sont les grands gris de l'Empire d'Orion, les grands gris bioniques d'Orion et les maîtres, les maîtres. Les petits gris sont ceux notamment de la constellation du Réticule, que l'on appelle couramment les Zeta, ZETAS, des petits gris d'Orion, ainsi que des petits gris bioniques. Donc vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ils ont été l'une des premières lignées à être membres de la Fédération Galactique, où ils occupent le siège numéro 12. Ils y participent, non en personne, car leur système stellaire est à 642,5 années-lumière, mais grâce à un système holographique interposé. C'est leur hologramme qui assiste aux réunions de la Fédération galactique. Ils habitent de très nombreuses planètes en orbite autour de Bételgeuse, dans la constellation d'Orion, que l'on appelle aussi Alpha Orionis ou Ori 58, qui est le deuxième soleil le plus brillant après Rigel. Voici donc les questions que j'ai posées à Zen concernant les étortants et ses réponses. C'est un extrait, ce n'est pas du tout l'entièreté de toutes mes conversations que j'ai eues avec lui. Donc je lui demande,
Les étortants sont-ils les grands gris dont on parle sur Terre? Et Zen répond, non, il s'agit d'une autre espèce. Ils sont de la constellation d'Orion et ils dominent tout le secteur autour de Bételgeuse. Ils mesurent entre 1,85 m et 2,45 m de haut, c'est-à-dire généralement la hauteur sous plafond d'un appartement ici sur Terre. Ils ont un corps comme le nôtre, avec une tête, un tronc et quatre membres, mais leurs organes ne sont pas situés aux mêmes endroits, et certains organes sont mélangés. Ils ont trois doigts et trois orteils à chaque main et à chaque pied. Ils absorbent des bioaliments produits artificiellement. Zen me dit qu'il ne sait pas ce que ces aliments contiennent. Il suppose que ce n'est pas d'origine animale. Ils sont uniquement télépathes et ce sont des experts en génétique et, comme il les a appelés, les gardiens des ADN. Leur rôle, ce sont des guérisseurs positifs, des aides pour d'autres races, des semeurs d'espèces sur différentes planètes qu'ils considèrent comme leur jardin. Ils terraforment les planètes avec leurs amis, les Arcturiens d'Yazli Antiplex. Ils implantent la faune, la flore et les proto-humains spécifiques à chaque planète et ensuite ils s'occupent de leur jardin, les différentes planètes et ce qu'ils y ont implanté. Ils créent, construisent et aident à évoluer. Ils ne détruisent pas. Ils disent que c'est ainsi que leur lignée a toujours été et que c'est la manière dont ils ont toujours agi depuis le début du temps. Même si cette expression pour eux n'a pas vraiment de sens, parce que ils n'ont aucune notion de temps comme celle que nous avons ici sur Terre. Ils ne croient pas au temps. Ils sont interdimensionnels et ils peuvent utiliser des vaisseaux spatiaux tout autant que leur corps ou leur esprit. Ils sont fortement télékinésiques. Ils sont sérieux et très stables, presque impossibles à bouger mentalement ou à influencer. Ils ont une présence incroyablement forte, assez intimidante. Ils sont difficiles à comprendre car ils n'ont pas le comportement typique d'une personne. Leur comportement est très difficile à décrire. Il n'existe aucun point de référence, même de mon point de vue d'extraterrestre, me dit Zen. Je pourrais dire, dit-il, qu'ils sont presque robotiques, mais ce n'est pas ça non plus. Je sais que ce que je dis est un peu vague, mais leur comportement, même à moi extraterrestre, me paraît étranger. Peuvent-ils changer de forme à volonté? Non, ils ne le peuvent pas naturellement, mais ils le peuvent en utilisant des technologies avancées. Ont-ils une structure familiale? Non plus. Ils ont un esprit de ruche et ils sont organisés en groupes de travail. Leur structure familiale est le groupe de travail. Comment se reproduisent-ils? Zen. Ils n'ont pas de sexe et se reproduisent en laboratoire. De toutes les espèces qui ont un siège au sein de la Fédération galactique, les centauriens alphratiens sont les plus proches des terriens. Et l'espèce qui est la plus extraterrestre et la plus différente des humains sont les étortants. Lorsque l'atmosphère de la planète Terre fut devenue propre à être habitée, ils ont implanté les premiers proto-humains sur Terre avec l'aide des Arcturiens. Puis ils les ont laissés se développer naturellement. Enfin, les premiers anciens cosmonautes, qui étaient les Lyriens, extraterrestres, débarquèrent sur Terre. Ils fuyaient la colonisation de leur planète. Les proto-humains, puis les prédécesseurs, les Néandertaliens,
les Denisoviens évoluèrent naturellement et se développèrent en parallèle aux humains extraterrestres, donc des extraterrestres qui ont forme humaine, qui venaient d'arriver et qu'ils considéraient comme des dieux. Nous sommes, nous, femmes et hommes modernes, terriennes et terriens, les descendants de ces deux lignées terrestres et extraterrestres. Question de Sonia. Ma première question, c'est nous, les humains descendants de ces deux lignées, est-ce que vous parlez de les Arthuriens et les Étortans? Non, non, pas du tout. Je parlais des Lyriens. Nous descendons à la fois des Lyriens et les proto-humains, ce que vous voyez derrière moi, mais pas les Étortans, tant nous ne sommes pas descendants des Étortans. Guylaine? Ce que j'ai compris, donc, c'est qu'on descend des Lyriens et des proto-humains. Ma question, c'est qu'en est-il de notre ADN? Est-ce que nous avons un ADN mélangé des Lyriens proto-humains? Est-ce que notre ADN est complète par rapport aux Lyriens et qu'elle peut être réveillée en fonction de nos pratiques d'élévation de conscience, de méditation? Nous travaillons sur cet ADN pour lui retrouver toute sa valeur, toutes ses capacités. Notre ADN est composé de 22 lignées différentes. Je n'ai jamais su vraiment quelles étaient les 22 lignées dont nous sommes composés exactement. Mais on peut supposer que les Étortans ont dû certainement faire des tas d'essais différents, mélanger différents ADN, ensuite commencer à implanter des proto-humains, des humains archaïques. C'est même avant les prédécesseurs, les Néandertaliens, les Denisoviens, c'est même encore avant cela. Donc je suppose qu'ils ont dû faire des essais sur d'autres planètes, puis implémenter ici ce qui était probablement le plus bénéfique à cette planète et qui a continué à évoluer. Dans la seconde partie de votre question concernant le processus de l'illumination, c'est se libérer, donc bien entendu, des formes de limitation qui sont imposées ici sur Terre. Et plus vous libérez votre esprit, votre conscience, votre compréhension de la réalité, plus l'ADN aussi s'ouvre et se développe. Et plus vous allez vous souvenir de choses que vous aviez oubliées. Il y a d'un côté, eh bien, le fait que notre ADN soit notre ADN, et de l'autre côté, il y a le fait que plus nous ouvrons notre conscience, plus nous allons au profond de nous-mêmes, plus l'ADN s'ouvre, parce que l'ADN est ouvert à tout moment. L'ADN, grâce au cerveau, donc l'ordinateur central, va sélectionner des choses qui vont s'inscrire dans l'ADN. Il y a des petites portes qui s'ouvrent, ça s'inscrit dans l'ADN et ça se referme. Et l'ADN se développe de cette manière. Je pense que le but principal au niveau personnel du développement de la conscience ou de la maturité spirituelle, c'est déjà prendre conscience de qui l'on est. Dès que vous commencez à aller en vous-même, que vous devenez conscient de vous-même, vraiment qui vous êtes, non pas descendant d'une lignée extraterrestre, mais tout simplement vous comme vous êtes en ce moment, c'est ça qui change tout. Question de Louisa. Est-ce que vous pourriez préciser ce que signifie proto-humain, s'il vous plaît? Donc les proto-humains, ce sont les humains qui, les premiers, sont arrivés sur Terre, même avant toutes les lignées que vous voyez derrière moi. Nadine. Lorsqu'ils terraforment une planète, reviennent-ils voir ce qui se passe? Par exemple, repassent-ils sur Terre? Ou ils passent d'une planète à une autre sans revenir? Les Étortans sont toujours là. Bétalgeuse est à 642,5 années-lumière et pour assister par exemple aux réunions de la Fédération Galactique, ils projettent un hologramme d'eux-mêmes. Zen me disait que même l'hologramme est ultra impressionnant. Ils le font déjà avec des technologies avancées de surveillance autour de la Terre, mais aussi parce qu'ils font partie de la Fédération Galactique et c'est au travers des différentes lignées qui sont beaucoup plus proches de la Terre qu'eux, qu'ils peuvent gérer à distance, quoi. Ils gèrent à distance. Question de Nadine. Ils ont une espérance de vie extrêmement longue, je suppose.
Oui, elle est extrêmement longue. Je ne vais pas répondre à cette question maintenant parce que fin août, début septembre, il va y avoir une visioconférence par lignée qui a un siège au sein de la Fédération Galactique. Et on parlera aussi de leur longévité qui est tout à fait spécifique. Question de Guylaine. Si les étourtants nous ont créés, qu'ils ont la connaissance en détail de notre fonctionnement, de nos états d'âme, comment ça se passe pour une planète comme la nôtre? À quel niveau perçoivent-ils les choses? Est-ce qu'ils ont un regard détaillé? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout émotionnels comme nous le sommes. Nous avons évolué pendant des millions d'années. Ils plantent un arbre et ils laissent l'arbre se développer à la manière dont il doit se développer. Ils vont venir, aller, venir pendant toute la croissance de l'arbre. Quand ça se passe bien, ils se retirent. Ils laissent les éléments se développer d'eux-mêmes. Cela veut-il dire qu'ils gèrent les émotions des terriennes et des terriens? La réponse est non. C'est vous qui devez faire ça, pas eux. Et c'est pas vous qu'ils ont mis ici sur Terre. Vous êtes un Homo sapiens sapiens, un homme et femme moderne. Eux ont mis en place des individus qui ont réussi à survivre dans tous les contextes qu'ils ont traversés et à un moment donné qui se sont croisés avec d'autres espèces qui sont arrivées d'autres planètes. Eux ne gèrent pas du tout les états émotionnels qui se passent sur Terre. On les appelle des jardiniers, mais leur vrai titre, c'est gardien des ADN, pas seulement l'ADN humain. Et que ce soit les ADN de cette planète ou des ADN d'autres planètes. Les états émotionnels, c'est vous qui en faites la gestion. Situation sur Terre, c'est aussi vous qui en faites la gestion. Prochaine question de Louisa. Puisque les étourtons sont à l'origine de la création de l'ADN, est-ce qu'on peut en déduire que l'ADN, c'est une technologie artificielle? Qu'est-ce qui fait que l'humain a développé des émotions qu'on ne retrouve pas dans d'autres lignées? C'est un ADN biologique. Comme on le fait en génétique sur Terre, ça n'est pas quelque chose qui est tout à fait inconnu. La génétique, ça n'est pas quelque chose d'artificiel. Le résultat des travaux scientifiques en génétique, c'est quelque chose de naturel, de biologique et naturel. Seulement, ça ne se fait pas par les formes de reproduction auxquelles vous êtes habitués. Question de Sonia. Mais vous aviez déjà parlé que les Arthuriens, c'est eux qui s'occupaient des animaux et des plantes. En effet, les Arthuriens ont plus tendance à s'occuper de la faune et de la flore et les étortants, comme ce sont des gardiens d'ADN et des généticiens hors pair, c'est eux qui s'occupent plutôt des humains. Mais ils sont capables les uns et les autres de tout faire en termes de génétique. Question de Franck. Je voulais savoir si les étortants, dans leur grand savoir et leur préservation des espèces, pouvaient réparer, à remettre sur pied une planète qui a fortement souffert, notamment d'une guerre comme Mars, lui rapporter, on va dire, des végétaux pour redonner un peu d'oxygène ou à la demande peut-être de certaines espèces stellaires, est-ce qu'ils sont amenés à réparer ces planètes en souffrance? Oui, tout à fait. Ils s'occupent de planètes qui sont en train de se développer. Les planètes ne sont pas toutes au même point de développement. Il y en a qui sont encore en phase du développement de la pierre, d'autres du fer, d'autres qui commencent à peine à s'industrialiser. Ils gèrent toutes ces planètes un peu comme on gère les différentes parties d'un jardin. Si un jardin a été endommagé, bien sûr, ils vont s'efforcer de le remettre en état en prenant en compte tous les aspects pour la redévelopper. Question de Louisa. Je m'interroge toujours sur le fait que la typologie des humains ont comme caractéristique d'avoir des émotions. Est-ce que c'est elle-même qui a développé ça du fait de son ADN ou est-ce que c'était voulu? Je me demande pourquoi ces émotions sont très présentes chez les humains d'aujourd'hui. Les lyriens sont émotionnels. Les pléiadiens sont hyper émotionnels. Eux aussi descendent des lyriens. Je ne sais pas d'où vient la lignée des lyriens, mais donc ça fait partie du caractère des Homo sapiens sapiens de nos jours.
Et donc, ça a été comme ça dès le départ. Ça, c'est au niveau physiologique et biologique. Après, vous avez la gestion émotionnelle qui est la vôtre. Il y a des tendances à être émotionnel, mais sur Terre, tous les terriens ne sont pas extrêmement émotionnels. Il y en a beaucoup qui le sont et beaucoup qui ne le sont pas aussi. Donc on ne peut pas généraliser. Je résume, d'un côté, il y a donc la biologie, la physiologie, où l'être humain a la capacité de ressentir des émotions, ce qui n'est pas le cas des étortants, par exemple. Et d'un autre côté, il y a la gestion de ces émotions et leur maîtrise. Question de François. Vous avez parlé des petits et grands gris, et certains avaient une consonance bionique. Donc ce sont des mi-robots, mi-biologiques, qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, c'est exactement ça, c'est mi-robot, mi-biologique. J'avais prévu de faire toute une série sur les différentes lignées de gris, puisque elles sont importantes pour nous, terriens et terriennes. Donc je vous les présenterai peut-être au second semestre, peut-être en début d'année prochaine. Question de Lucie. Si les étortants sont des créateurs, qui pourrait les avoir créés? Ça, c'est qui vient avant? Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? On ne sait pas exactement. Je doute que Zen aurait pu me répondre. C'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment. Où a commencé telle et telle lignée? Où a commencé l'univers? Ils disent tous que l'univers n'a ni début ni fin. Donc, je suppose que ça en fait partie. Je ne peux pas répondre à cette question. Question de Franck. Oui, c'était par rapport au recueil justement de toutes les informations de cette grande bibliothèque qui font. Ça me fait penser un peu à l'Arche de Noé. Vous nous en aviez parlé également l'année dernière dans les Galactiques 2023. Qu'espèrent-ils en faire? Le but pour eux, c'est de préserver et de faire ce grand recensement. Ils veulent le mettre dans un autre univers. Qu'espèrent-ils en faire? C'est un peu comme les gardiens d'une grande bibliothèque. C'est-à-dire qu'ils vont les protéger, ils vont les développer, ils vont les collectionner, ils vont les catégoriser, etc., etc. C'est tout un travail. C'est leur travail. Et ensuite, bien sûr qu'il y a des collections de différents types d'ADN. Comme ils surveillent les planètes, mais ce ne sont pas les seuls, les Andromédiens font ça aussi. Ils vont aller repérer des planètes, les mesurer, faire la liste de tout ce qui existe, est-ce qu'il y a des dangers, est-ce qu'il y a des animaux sauvages dangereux. Dès qu'ils ont une planète qui est à peu près habitable, ils vont faire le recensement de tout ce qu'il y a sur cette planète. Et puis, ils vont programmer le développement de la vie sur cette planète et ils vont le faire petit à petit. Question de Marie-Élisa. Est-ce que les étortants se sont posés à l'arrivée sur Terre d'autres espèces comme les lyriens qui ont affecté ou modifié le développement des proto-humains? C'est-à-dire, comme ils sont les gardiens de l'ADN, ils n'aiment pas beaucoup quand les autres espèces mettent leur nez en quelque sorte dans leurs affaires. Ils n'aiment pas non plus quand, ça c'est beaucoup plus récemment, parce qu'ils font de temps en temps des audits. Ils l'avaient annoncé en décembre, ils l'ont fait en janvier, et ils ne sont pas du tout d'accord sur ce que font certaines lignées extraterrestres en contact avec les terriens. Question de Franck. Par rapport à ce que vous venez de dire, voilà, lorsqu'il y a un fort déséquilibre qui se produit sur une planète à cause de diverses expériences où ils ne sont pas d'accord, comment remettent-ils de l'ordre ou font-ils appel à d'autres lignées pour remettre de l'ordre selon leur schéma de développement ? Tout à fait, c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire, comme ils habitent quand même à 642 années-lumière, 642,5, ils ne vont pas le faire eux-mêmes. Ils viennent tous les 10 ans ou quelque chose comme ça pour faire un état des lieux. Et puis, ils siègent à la Fédération Galactique. Donc, ils vont se mettre d'accord avec d'autres lignées extraterrestres pour réguler et rééquilibrer ce qui ne l'est pas. Question de Martine. Comment arrive-t-il à terraformer une planète? Je dirais que c'est un peu comme une recette de cuisine. C'est leur expertise, c'est ce qu'ils aiment faire. Donc, comme je l'ai dit, ils suivent les planètes. Quelquefois, ils mettent une bulle électromagnétique autour pour la protéger. Et puis, ils vont la regarder, ils vont la tester et puis ils vont commencer à mettre des choses. Et voilà, petit à petit, ça se construit. C'est un peu comme on construit une maison. Question de Lucie. Est-ce que les étortants sont les seuls créateurs? Est-ce qu'il y aurait d'autres créateurs, justement, effectivement? Pas créateurs dans le sens
ou vous l'entendez peut-être, enfin je ne sais pas, mais ce sont des gardiens des ADN. Et par conséquent, quand ils organisent la terraformation d'une planète, ils vont adapter tout ce qu'ils vont implanter, construire sur cette planète. Petit à petit, peut-être ne vont-ils commencer que sur une petite parcelle de cette planète pour laisser ce qu'ils plantent et implantent se développer. Question de François. Alors moi, c'est une question qui peut-être repartir d'assez loin. Donc, j'essaye de comprendre donc, par rapport aux étortants donc, qui ont installé de façon biologique et qui sont finalement des gens bienveillants. Je faisais la corrélation entre les lémuriens qui finalement, eux, étaient des extraterrestres, mais qui étaient aussi bienveillants. Mais qu'en même temps, on parlait de l'Atlante, sur lequel il y avait justement les reptiliens qui avaient travaillé sur l'ADN. Exactement, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Oui, oui, enfin... C'est peut-être un peu... J'ai compris. C'est-à-dire que tous les extraterrestres sont des généticiens. Ils sont capables, à divers degrés, de créer quelqu'un à partir d'un tube de laboratoire. Ils ont tous les capacités génétiques et scientifiques pour le faire. Les Lémuriens, ce sont les Lyriens et les Pléiadiens qui habitaient en Lémurie. L'Atlantide, c'est plutôt du côté... on va dire des reptiliens et de la cabale actuelle. Chaque lignée extraterrestre est capable de créer un être humain de toute pièce. Maintenant, pour qu'un corps fonctionne, je sors un peu de la présentation d'aujourd'hui, pour qu'un corps fonctionne, me disait Zen, il faut qu'il y ait une âme, c'est-à-dire un ensemble de fréquences spécifiques qui vont faire fonctionner ce corps. J'ai prévu deux visioconférences sur les différentes catégories d'humains avec et sans âme. Les étortants sont des très grands statisticiens. Leur société est uniquement basée sur les statistiques et ce sont eux qui avaient dit à un moment donné qu'il n'y a que 25% des terriens qui ont une âme. Pour le reste, ils ont défini qu'il y avait quelque chose, que c'était un, entre guillemets, esprit. Et pour eux, ça faisait une différence entre ce qui est âme et ce qui est esprit. Donc c'est pour répondre de manière très succincte à votre question, à laquelle je reviendrai lorsque je présenterai les différentes catégories d'humains. Question de Maria. Je pose une question pour Jocelyne qui n'a pas de micro. Elle pose sur le chat... Les étortants, c'est leur mission, mais ont-ils un but final? Ce sont des gardiens des ADN, c'est leur expertise. Le but final, ils vont la mettre en œuvre comme chacun d'entre nous met son expertise en œuvre au service de soi-même ou des autres. Par rapport à notre échelle de temps, pouvez-vous situer à quel moment ils ont implanté les proto-humains, s'il vous plaît, Tim? J'étais à peu près certaine que vous poseriez la question, Martine. Avant le début de la visioconférence, je m'étais dit, Martine va poser la question et la réponse est ce que m'a dit Zen. Donc, ils ne le savent pas exactement. Et puis, les étortants n'ont pas la même notion de temps. D'ailleurs, ils ne croient absolument pas au temps. Et chez ce qu'on appelle les extraterrestres, la notion de temps est tout à fait différente et il est extrêmement difficile pour eux de faire l'équivalence entre quelque chose qui s'est produit ici sur Terre, qui est mesuré d'une certaine manière par les terriens, et puis quelque chose qui s'est produit dans l'espace. Quelquefois, ils n'arrivent absolument pas à faire la correspondance. Donc, on va dire que c'est... De notre point de vue terrien, c'est des millions d'années probablement. Il faut quand même une très longue période de temps terrestre pour que des espèces se développent de la manière dont elles l'ont fait. Et le temps est différent même lorsqu'on sort de la Terre. Zen avait une horloge qu'il avait mise à l'heure de Paris et à chaque fois que nous avions rendez-vous pour discuter, il était obligé de remettre l'horloge à l'heure parce qu'il y avait à ce moment-là 5,2 minutes de différence entre la Terre et la Lune. Et comme la Terre s'éloigne de la branche dans laquelle elle se situe, cette longueur de temps augmentait à chaque fois qu'on se connectait. Question de Sonia et ce sera la dernière.
Oui, c'est juste une petite question rapide. Est-ce qu'ils ont implanté les humains avant ou la faune et la flore? Je pense que c'est la flore et la faune d'abord, puisque les humains ont besoin de se nourrir. S'il n'y avait rien, ils ne pourraient pas subsister et continuer à se développer. Donc je pense qu'ils mettent, c'est une question que je n'ai pas posée, mais disons que de manière logique, c'est probablement la faune et la flore qu'ils ont fait d'abord. Voilà, il est 18h. Je mets fin à cette visioconférence. Je vous remercie pour votre présence et votre fidélité et toutes vos questions intéressantes. Nous nous revoyons dimanche prochain à la même heure. Merci beaucoup.